Bonjour, c'est dimanche, cette fois on peut le dire dernier jour de la semaine ou dernier jour du week-end. C'est pour ça que vendredi je disais dernier jour de la semaine. Est-ce que vous entendez râler? C'est mon fils qui se bat avec mamie parce que mamie a piqué son jouet. Donc ils sont revenus là, il est 10h30. Eden a fait un peu la fiesta chez mamie, s'est levé une fois à 3h du matin. Il a raquetté un biberon à mamie. Mais ça s'est bien passé. Moi j'ai le temps de me préparer, de me laisser les cheveux. Donc on a sorti la boîte à outils, on va donc enlever ce lit là et on va surtout ouvrir le lit de grand Eden d'abord qui est dans la chambre de sa soeur. Il est en train de démonter la maison. C'est pas grave, donc on va ouvrir ça. Et là Eden est en train de faire sa petite vie dans la chambre de sa soeur, mais bon il peut au pire les livres, c'est pas grave, on va mettre un. Tu veux choisir ton livre? Tu veux tous virer tous les livres? Bon bah comme ça au moins. Ça ne me plaisait pas maman ta déco, ça ne me va pas. Bon, on va ouvrir le carton hein, parce que si on veut pouvoir avancer la chambre il faut. Donc là les pièces commencent à être étalées. Anthony, j'ai enlevé le lit d'Eden, j'ai démonté mais toutes les pièces là. On va pouvoir descendre avec Eden parce que Eden dans les pattes pour monter c'est compliqué un meuble. Et j'ai donc tout démonté toute seule comme dans le lit de... C'est pas vraiment épuisant, c'est juste le temps de... Mais tu sais ça passe pas grand chose. Qu'est-ce que tu fais? Elle vient avec maman maintenant, je vais descendre en bas. Bon, on est redescendu en bas avec Eden, juste là. J'ai mis Gulli, il regarde tranquillement. Parce qu'il voulait absolument remonter, voir ce que faisait son père. D'ailleurs, si vous voulez voir en détail le montage du lit, je vous invite à aller sur la chaîne d'Anthony, donc Hello Papa Vlog. Il est actuellement en train de filmer le montage du lit. Quand il a vu toutes les pièces, il a fait « Je pense que je vais bien m'amuser ». Effectivement, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Je suis pas sûre qu'il y avait de plan dedans. Mais bon, c'est pas un lit complexe, donc on ira voir au fur et à mesure de la journée. Enfin, toutes les 20 minutes, j'irai voir un petit peu son avancée. Bon, je suis trop curieuse, je vais aller voir où on est Anthony. Je reviens maintenant, je reviens. Il regarde son dessin animé, ça me permet de m'enfuir quelques secondes. Je suis mauvaise mère, je me suis de un dessin animé pour aller voir l'avancée du lit. Bon, c'est Bagdad en hein. Jour carton là, il y en a plein, j'en ai raté. Tu t'en sors, mon amour ou... Ouais, bien. J'ai réussi à trouver le plan, donc ça va. Ah, bah voilà, alors c'est complexe ou pas? Non. Non. Ah, enfin, j'imaginais vachement plus grand, c'est bien. Deuxième montée pour voir l'avancée. Où on est, je suis, il m'a dit c'était galère parce qu'il doit tout visser à la main. La base est faite, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai rajouté, il faut tout visser. Ah oui, bah oui, ça t'a pris du temps. Et là, tu commences juste la deuxième colonne, c'est ça? Là, il me reste. Je suis ma vis et il me reste deux après. Et après, tu vas faire monter quoi du coup? Le haut. Et après, il faudra faire les longueurs. J'ai une question. Quoi? T'as acheté le lit hier et c'était tout complet? Ouais, pourquoi? Mais de base, c'est qu'une fois que t'en es là. Ouais. Une fois que t'as fini là, ça. Toutes les lattes, ouais. Voilà. C'est bien beau, mais y a quoi dessus? Y a rien. Y a rien. Ouais, c'est la structure qui est comme ça, mon cœur. Après, on peut installer une toile si tu veux faire un toit. Mais ça, c'est nous qui voyons. Bah, écoute, c'est le but, c'est censé être un peu cabane. Donc, je comprends pas, ils n'avaient pas prévu quelque chose. Non, non, c'est la structure qui est comme ça, c'est nous qui verrons. Bon. On se démarre après. Bon, on ira acheter un tissu si tu veux. Mais c'est le but. Bon ben on va personnaliser le lit d'Eden. Donc vous avez bien compris, hein, c'est un lit cabane qu'on a pris. De base, je vais essayer de vous mettre une photo par là. On voulait prendre un lit tipi. Enfin moi je voulais prendre un lit tipi. Mais le prix était trop cher. Même là qu'ils avaient mis une remise, voilà, on n'avait pas la possibilité de mettre 400 euros dans un lit en tout cas. Et du coup, ben, on s'est rabattu sur celui-là et moi Anthony veut qu'on mette un tissu pour faire cabane. Pour faire une vraie cabane. Bah, c'est le but. On va personnaliser le lit. Tu sais que ça peut même se peindre, on peut le peindre si on veut. Mais bon, moi je trouve que c'est joli le bois comme ça. Bois naturel. Ouais. Ou tu veux le peindre toi? Bah écoute, quand tu te fais une cabane, est-ce que tu fais la peinture, tout ça? Non. Et du coup, après on pourra installer toute la déco. Et je trouve que bah en fait, le bois brut rappelle le bois du cerf. Et ça va vraiment aller dans l'esprit de sa chambre quoi. Non, mais le cerf que j'ai pris, mon cœur, pas le bois du cerf de la forêt. Le cerf là. Et on va pouvoir installer les lustres aussi. Qui on pourra même visser le cerf sur le lit. Hein. Non. Et ça, vous voyez, ça c'est le lustre qui va là-haut. Et c'est en bois aussi, donc tout va être assorti. Tu te fais les muscles? Ça tire. Hein, moi tu vas là, surtout tout à la main, ça prend. Avant moi je le sens en fait. Mais ça fait du bien. C'est agréable, c'est une bonne sensation. Généralement après, c'est les courbatures qui arrivent, dès qu'on se refroidit, ça c'est moins cool, mais bon. Ça fait du bien. Bon, je vais voir ce que fait mon petit gnome parce qu'il m'a piqué mon portable. Il l'a trouvé, il s'est assis dans un coin en mode. Ouais, mais on fera ça quand tu auras fini, hein, l'aspi. Hein. On va le faire maintenant. Hein. Et le matelas, on le récupère ce soir. Donc, du coup, Eden fera la sieste dans le lit parapluie. Je disais, je vais laisser mon portable parce qu'il l'a chopé. Il s'est mis dans un coin en mode genre, je crois, je suis discret, regardez. Papa? Non, papa, il est encore en haut, mon ange. C'est moi.
Tu crois que tu t'es caché là avec mon téléphone? Non mais essaie pas de le mettre genre entre tes jambes, genre y'a rien. Je sais que tu l'as pris. Je t'ai vu. File. Non? Vous avez vu cet arnaqueur? Tu nous as mis Bagdad là ici. Ah ouais d'accord ouais. Sauf que maman sous le lit, sous le canapé, ça va être sympa, pas trop loin j'espère. Ouais, c'est bon. Alors toi tu discutais avec Siri, d'accord. Bah ouais, t'as voulu bavarder avec Siri, mais comme tu lui posais pas des questions, il t'en a proposé. Et il est monté tout seul sur sa chaise, il m'a étonné parce que sur une chaise comme ça, bah classique, y a rien de compliqué, mais là il y a quand même le rehausseur, il a réussi à se mettre assis comme il faut sur son rehausseur pendant que j'étais en train de couper le steak haché. Du genre, je suis vraiment motivée à manger là maman, j'ai vraiment faim quand même. Hop, donc on fait pas dans l'ordre, on fait steak haché, après c'est pas grave, il y aura le riz. Du coup, je dis, je regardais l'heure pour regarder mon temps de riz, mais j'ai même pas regardé, il est 21. Donc on va dire que ça fait plus 19, ça fait au moins 2 minutes que ça va dedans. On va voir, on va dire. Je laisse un peu. Et après, il va manger sa tomate. Donc, je sais pas dans l'ordre, mais bon. Et Dan, il n'est pas très compliqué de ce côté-là, lui, il mange. Dans l'ordre, en désordre, il s'en fout, probablement. Et puis, il va manger sa demi-petite tomate après. Et après, il mangera un peu de riz. Dis donc, Filou, je te vois essayer à la main là-bas. Prends ta fourchette, mon ange. Oui, oui, oui. C'est bien, mon ange, tu piques comme un grand. Maman, elle est fière de toi. C'est bon, la viande, hein? Miam miam miam. Et c'est papa qu'on entend, il est en train de faire son lit de grand. Alors vous montez tous les deux à quatre pattes? Comme deux petits ours? Tu vas dans la chambre de papa et maman pour faire dodo mon âne. Fais attention parce qu'il va foncer droit dans la sienne je pense. Hop papa vite ferme avant qu'il voit. T'as fini de l'exciter, oui. Cala, mon dodo. Denis se fait écraser par son papa. Je vais chercher sa petite couverture. Je pense qu'on va la laisser dans sa chambre. Ouais. Ah, ça prend forme. Je suis trop contente. Regardez. Papa, il va installer toutes les lattes. Ça va être bon. Et voilà, comme ça tu fais une bonne sieste dans la chambre de papa et maman, mon ange. Buh, on se retrouve dehors, je me rends chez ma maman, parce qu'avec ma maman on va voir mon papy. On aurait embarqué Hélène, mais le souci c'est que comme on doit récupérer le matelas chez mon grand-père, bah, ça rentre pas le matelas plus Hélène. Donc du coup ma mère ira un autre jour avec Hélène chez mon papy. Et puis au moins il me verra, parce que moi je suis pas remontée depuis 2 mois le voir. Donc il était temps quand même que j'aille voir mon papy, parce que c'est un peu le dernier grand-parent qui me reste. Donc j'ai quand même envie de profiter de lui et qu'il puisse profiter de moi, de nous. Donc en route. Je viens de rentrer, c'était bien sympa de voir mon grand-père, ça fait plaisir. Alors qu'on fasse du rangement, parce que du coup on a tout stocké dans la chambre de la petite, l'ancien matelas, etc. d'Eden. Alors, tada. Ah bah nickel. Limite un peu petit le matelas, dis donc. Je vais mettre un coup d'aspiro parce que bon, du coup l'installation du lit a fait ça. Je vais le faire maintenant et après je vais lui installer ses draps. Je vais installer un petit peu le tout. Parce que bon, c'est un peu le chantier, c'est normal. Puis voilà, pour que sa chambre soit prête pour ce soir pour l'accueillir. Donc on va faire ça. C'est parti, on se motive. Bon, j'ai fini à peu près de mettre le lit, je vous montre rapidement. Voilà, j'ai mis les peluches, mais ça va changer hein, parce que ça me plaît pas trop. Et donc, Anthony est en train de faire monter Eden pour qu'il voie sa réaction. On voit sa réaction. Eden, viens voir maman, mon ange. Pour qu'il découvre sa chambre et son lit de grand. Donc on va voir en direct. Sa réaction, va-t-il être content, étonné, et puis on vous verra, on vous dira au fur et à mesure comment se passe la soirée. Voilà. Allez, hop. Pour le moment. Comme ça, maman va confier son change de pièce. Tu viens voir mon ange? Regarde. Oh. Qu'est-ce que c'est mon ange, chat? Mais pas un là. C'est ton lit de grand? C'est pour faire dodo? Regarde, maman va te montrer, regarde. Par contre, tu me dis qu'il manque quelque chose là ou pas? Oui. Pour faire dodo. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Mais ça va être dans l'autre sens, je t'ai laissé dans le sens que t'as l'habitude. Avec toute petite peluche à tes pieds. Maman, je sais pas comment on va ressortir de là, maman, mais... Ça se trouve, des loups et coussins longs, des longs coussins. Pourquoi? Pour mettre dans l'angle là-bas, parce qu'à chaque fois, ils se calent. On verra, ouais, Anthony va manger quelques petits trucs. Oh la Sissi, oui. Et le doudou. Bon, bah écoutez, il a l'air d'être plutôt content, donc on verra si la nuit se passe aussi bien que. Il est bien aimé son lit, quoi. What? Mais est-ce qu'il sait que pour autant c'est un lit?
C'est très bien ce que c'est. Ouais, regarde, il a bien compris, c'est déjà posé. Papa, il y a de ses peluches pour le moment, mais j'aime pas trop. Je crois que son bébé pleurait pas joli. Si, bien. Bon, Eden a l'air de bien aimer son lit. Bien. Ouais. On va redescendre pour manger? On reviendra après pour le dodo? Bah si, si, il est tellement content. Oui, ça c'est la veilleuse, mon ange. Je crois pas gros qu'elle tienne là, mon amour. Ça va être l'heure du coucher, on va d'abord brosser les dents. Je vais préparer le lit pour Eden. Là-bas. On va lui lire l'histoire ensemble avec Anthony pour qu'il soit bien préparé tranquillement pour aller se coucher tous ensemble. On va espérer que ça se passe bien. J'ai juste surtout peur, c'est qu'il sorte de son lit ou qu'il glisse. Bon, il y a le tapis, donc il sait pas où pour un sou. On va espérer que ça se passe bien. Allez, va te coucher. Bien dans le lit. Attention à la tête. Voilà. Je t'allonge la tête de là-bas. Allez, allez. Allez, couche-toi. Couche-toi, mon ange. Voilà, c'est voilà. Bien. Hop, faut rester allongé, mon ange. Tiens, la susu. Ça, c'est Tigou. On va lire la petite histoire. Petit ours brun au manège. I've kept my heart inside a box, threw away the key.